Thank you.
Très bien, bravo. T'es prête, hein? Prête pour le deuxième tour. Bon. Il y a 99% de chances que tu joues pas ça au premier, du coup. Hein. Travaille-le quand même, mais c'est quoi ton autre morceau? Moi, je serais au jury, je dirais l'autre, quoi. Fatalement, pour pas avoir deux fois la même chose. Mais... La deuxième légende de Liszt. Très bien. Pas trois heures non plus, la dernière, là. Oui. Quelque chose d'un peu plus élégant. Tom, tom. Oui. OK? Super, très bien, vraiment. Très peu de choses à dire. Je trouve qu'au début, ça manque un tout petit peu de densité pour moi. Da-di, da-di, da-di. Et un peu de son, peut-être. OK? Et fais gaffe à ce qu'on n'entende pas. Sol, ta-ta-ta-ta-ta-ta. J'entends pas assez les voix séparément. J'entends pas assez le contrepoint. D'accord? On va refaire ça. Moi, je mettrai un tout petit peu plus de densité. Oui. Tu vois? Pas du fauré assez ouais, profond, quoi. Pas trop léger comme après. Je trouve que ton début, il ressemble trop à ça. OK? Et là, c'est très bien. Il ne faut pas que ça fasse petite note. Je trouve que ça a tendance à faire... Défile les plus, dessine les plus. Là, c'est sextolet. Hein, ça va, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Je préférerais ça que... D'accord ? On fait déjà ça, mais c'est super, hein, bravo. Mais là, donc, vraiment, chante. T'as mis Gérard Souzet, très bien. Ouais. Si, ré. Joue-moi juste le... Si, la, sol, mi, ré, avec la basse. Si, la, sol, mi, ré. Ouais, encore. Très bien, avec le reste. Voilà, beaucoup mieux déjà. Ok, d'accord. Parce que si, maintenant joue-moi l'intérieur. Si, mi, ré, sol, mi, sol, ré, mi, et la, la, vas-y. Ouais. Super, encore, très bien. Voilà. Écoute, entends bien ça, tu vois. Entends bien ça et ensuite, bien sûr, tu joues tout. Mais si tu n'entends pas bien, tu n'arriveras pas bien à le réaliser, je pense. OK ? Encore le tout maintenant. Très bien. Très bien, bravo. Très bien. Diminue pas trop tôt. Et intense aussi, hein. Et poco crescendo, vas-y, ta-da-da-ti-dam, ta-da-da-ti-dam, et plus les appoggiatures. Ça passe un peu vite, je trouve. Oui. Même ici. Tam-pa-pa-pa-pam, pam-pi-pa-pa-pam. Joue-moi ici, si-di-da-di-da. Ouh là là, c'est quoi ce bazar? Si, sol, fa, do, si, ré. Faut que tu recommences au début, c'est ça? Do, si, pam-pi-pa, ouais. Pa-pa-pa-pa-pa, la-da-da-da. Avec ta pédale, elle était très bien. Da-di-da-di. Écoute. Et vas-y. Basse. Bien. Très bien. Bien, très bien. Très bien. À part la main gauche que j'ai pas assez. Les croches là. Je vois juste voilà, la main droite et les croches de la main gauche. Ouais. Encore, encore. C'est bien, c'est bien. Ouais. Sol bémol. Ok, on est d'accord. Encore ? Violoncelle, hein. Et imagine le violoncelliste qui joue ça. Il se régale à jouer ça. Allô, si. Nous, on a tellement de choses à faire qu'on oublie des fois des choses importantes. C'est normal, on a des bazars pas possibles, mais oublie pas ça. Donc joue-le seul avec la main droite encore. Allô, si. Allô, si. Sol, fa, mi, ré, fa, mi, la, ré. Voilà. Avec le reste maintenant, avec le tout. Écoute bien la basse. Pas mal. Ouais. Très bien.
Allège ton pouce, hein. J'entends un peu. Non, il est un petit peu lourd ton pouce. Fais-moi la main gauche toute seule, s'il te plaît. Très bien. Super, très bien. Bravo. Très bien, avec la main droite. Trop léger pour moi, ça, par exemple. Hein, jusqu'au bout. Voilà, ok. Dans le crescendo. Les débuts. Tu entends? Prends-moi le premier. Ouvre. Ouais, pardon. Mais voilà, ici, là. Fa, la, sol. Archer, comme si t'étais. Voilà, comme si t'étais au bout de l'archer. Fa, la, sol. Ouais, pas mal, encore. Ok. Non, prends avant. Écoute. Pas mal, bien. Ouais. Et là aussi, hein, t'as vu? La, si, les deux fortés, mais pas la, si, tu tombes un peu dessus. Tu vois, c'est marqué les gâteaux. Là aussi, c'est comme si j'entendais la, si. Alors que tu serais violoniste, tu jouerais dans le même marché. La, si. Donc aide-toi un petit peu légèrement, hein, du coude, de l'épaule, de tout ce que tu veux pour faire la, si, et pas la, si. Hein, encore une fois. C'est beau ce truc-là. Allez, ouvre. Bien, bien. Bien. Bravo, très bien. Va jusqu'ici. Et il me manque un peu de main gauche pour moi, tu vois, pour soutenir cet espressivo. Tu l'as fait, mais pas assez pour moi, tu vois. Si, donc, tu as plus de mal, si, la, sol, fa, il n'y a qu'une note. Et toi, la main gauche. OK. Pour ce flux musical magnifique, là, vas-y. Si, si, la, mi, si. Bravo. Bien. Autre chose, si tu veux. Bravo. Tu peux ralentir, mais pas trop non plus. Hein. Je trouve que c'est un tout petit peu. Et là, vas-y, plus ouvert, plus déclamé, ton forte là. Voilà, déclamé. Là, voilà, tu fais ton numéro là. Ok, c'est un tout petit peu timide, je trouve. Ici, prends-moi juste avant. Où tu veux. Ah, t'es comme certains, il faut qu'à chaque fois qu'ils apprennent au début pour... Non. Prononcer, déclamer. Vas-y. Bien, très bien. Autre chose. 3, 1. Delicato. OK. Super. Très, très bien. Tes basses, elles sont bien entendues. Je les trouve limite un peu lourdes maintenant. Je verrai plus pids. Boum. Boum. Entendu, mais assez légère dans la pédale. Essaye de jouer juste la main gauche, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est joli. Ouais. Là, tu vois. Voilà, pas plus que ça. D'accord? Tout vers l'aigu ici. Et ça aussi. Et le reste. Délicat ta basse, ton pizza. Encore, la main gauche, juste. Attention, pas plus. Là, pas plus. Pas plus, même si tu fais l'expressivo. Hein. Bien, très bien. Moi, ça me suffit, ça. Les basses. Avec la droite.
3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, très bien. Mieux là ta pédale que tout à l'heure. Oui. Tout à l'heure c'était sec, t'as. Vas-y, un petit peu séparé mais pas sec. Très bien. Très bien. Ok. Et là tu peux jouer un petit peu les deux caractères. Un peu plus dense ici, comme au début. Essaye de trouver ça. Très bien, bravo. Un archi détail, plombe pas tes sols. Hein, boum. Non, regarde. T'as vu avec la liaison en désinence. Voilà, ok. Léger. Encore. Très bien. Ça c'était très bien. Là aussi, minimum le mezzo piano. Hein. Et là aussi, profond. Et chante bien ta double croche. Souvent elle va trop vite. Surtout après, mais déjà ici. Hein. Tu me fais juste le thème et la main gauche, s'il te plaît. Deux, trois croches. Très bien. Voilà. Tu peux le faire régulièrement, ça. Hein. Des fois, te rejouer juste le thème avec la main gauche, ça fait du bien. Hein. Ok, ça ouvre les oreilles. Non, c'est vrai. Hein, et ça donne des idées. Ça, tu veux dire, oh, c'est joli, ça, c'est pas mal. Je peux essayer de faire ça. Ok, encore une fois, la même chose. Juste la main droite avec la main droite. Très bien. Très bien, bravo. Très bien. Alors tu me fais la même chose, tu me joues tout, et tu me joues l'accompagnement, mais je ne veux pas l'entendre. Tu me le joues, mais je ne l'entends pas. Très bien. Bravo. Avec ton accompagnement vraiment, vraiment presque imperceptible. Comme à l'orchestre, tu vois, des fois, tu as 120 musiciens qui jouent, il y en a que tu n'entends pas. S'ils ne jouent pas, ça te manque, mais si tu les entends, ça ne va pas. Tu vois, ça fera un trou. Mais par contre, si tu les entends trop, ça ne va pas non plus. Et là, c'est typique. Hein. Il faut juste la basse et le thème, et le reste, imperceptible. C'est présent, mais il faut que l'oreille aille le chercher, quoi, tu vois. Encore une dernière fois. Très bien. Bravo. Très bien. Très bien, superbe. Là, tu aurais pu jouer un petit peu plus, je trouve. Allez, là, à nouveau plus dense ici. Encore une fois. Do, fa, sa, la, si, mi, do, la.
Bravo. Très bien. Avec cette basse qu'on ne peut pas tenir jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Peut-être un peu plus mysterioso. Avance moins. Tadi, da, da, di. La, ba, da, ba, da. Et là, change un petit peu. OK ? Et là, je trouve que tu as trop voulu être direct et faire un truc qui ne correspond pas pour moi à ce qui a marqué. Hein ? Un peu mystérieux. Prends-moi avant. Écoute ton ré bémol. Ah, écoute-le, écoute-le. Autant. Très bien. Pareil. Très beau. Ok. Tu feras ça avec cette pédale de ré bémol à chaque fois. Étale. La ba da ba da di. Et autre chose qui avance plus. Vas-y encore. Recueilli. Et flottant. Bien. Et crescendo. T'arrêtes pas à chaque fois maintenant. Ouais, très bien, ok. T'arrêtes pas à chaque mesure à partir du début de crescendo. Et là, tes doubles, elles sont pas géniales, je trouve. Elles sont un peu raides. Vas-y, joue-moi juste la main droite, ici, avec la pédale et tout ce que tu veux. Ouais, 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 ah oui, désolé. Et là, voilà, ok. Mais tout à l'heure, c'était, ça, c'était bien, si là, j'ai pas entendu le même son ici et ici, ok. Solado, si, la, si, ré, do. Encore les, toutes les deux mains, là. Écoute. Ouais. Ouais. Bloque pas là, tes doubles. Tu, j'ai l'impression que tu te coinces un tout petit peu. T'as peur de les jouer, ces deux, là. La, va, di, da, la, da, di. Si tu te plantes, c'est pas grave. On est entre nous, là. Vas-y, essaye, au moins. Ouais, super. Ouais, très bien. OK. Enfin, ça sonne pour moi incomparablement mieux, tu vois. Encore ? Et tu continues ? Très bien. Et confort. Ouais. Pas à chaque fois non plus. Vas-y. Vas-y, virtuose. Bien. Pareil. Très bien, bravo. Très bien. Pareil. Très bien. Très beau. Très bien. Et avec ce piano subito que tu fais très joliment, je trouve, n'avance pas trop derrière, n'avance pas trop. Joue pas comme avant. Reste dans ta couleur que tu trouves et qui est très jolie, je trouve. Hein? On s'ennuie pas du tout à t'écouter là. Là, tu vois, te dis pas zut, il faut que je reprenne, je sais pas quoi là. Vas-y, joue-moi ici. Et c'est. Très bien. Très bien. Demain, oui. Paraît-il. Bravo, tu joues ça très bien, hein. Tu peux travailler. Oui.